National Weather Service has issued a tornado warning until 5:45 p.m. Central Daylight Time. At 5:13 p.m. Central Daylight Time, Doppler radar and storm spotters were tracking a large and extremely dangerous tornado. Take cover now. This is an extremely dangerous tornado with complete devastation likely. You could be killed, if not underground, or in a tornado shelter. Do not delay. Seek shelter now. C'est parti. Ouais, c'est parti pour les vacances. Ouais, bah je sais pas si ça va être des vacances. Hein. Ah si, si, si. Faut y aller no stress. Hein. Ça va être intense. Ah oui, mais oui, mais oui. On s'est enfin la chasse, ça fait 2 ans qu'on attend ça. Ah. Je pense que nous allons passer un agréable séjour en compagnie de Destination Tornado Alley Team. Espérons attraper des très belles tornades demain. Ladies and gentlemen, we have just arrived at Dallas Fort Worth Airport, where the local time is 1:50 p.m. Good afternoon, America. I'm happy. For today and the extent of this, from the Mexican to Canadian borders, from Texas up to Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa, Minnesota, and parts of Wisconsin and even Michigan in the red for some of these strongest storms today. Bastien, alors ta nuit? Je suis un peu décalqué là. Décalqué? Bon, ça va, il est pas trop. Non, ça va, mais. Il est pas trop tôt, mais avec le décalage. Petit déjeuner à l'américaine. Ça, c'est le déjeuner de champion. Café, jus d'orange, histoire d'être bien en forme pour une journée de chasse. Tout l'équipement à l'intérieur, les caméras. Bastien qui est prêt, le chauffeur. Faisons un point de situation, le SPC, le Storm Prediction Center, a augmenté le niveau de risque à 4 sur 5. Là, on est dans des conditions assez dangereuses. Et voilà, nous y sommes. Une particularly dangerous situation a été définie. Donc là, il faudra vraiment faire attention. Plein milieu du Panhandle du Texas, avec le Bastien. Yes, papa. Voilà à quoi ressemble le ciel là, d'une zone PDS avant les tornades. On va voir si une des deux cellules qu'on est en train de viser nous produira une tornade. Se rapprochant des orages qui ont été tous les deux severe thunderstorm warned. Là on voit l'enclume. Ah ouais, bah ça c'est les enclumes. Ça c'est la vraie chasse aux tornades. On est dans le gros morceau là. Regarde là-bas. Ça
là pour ça. On a attendu 2 ans pour voir ça. Il est bien défini la base. Là on voit le mésocyclone qui est juste en bas. Il y a de rotation là-bas. Et c'est exactement là-bas où on va. And Chris, as we've been watching these big storms firing into Kansas, Northwest Oklahoma, out ahead of that, we get up into Beaver County, into Oklahoma, been watching really strong rotation. Voilà, on est en pleine chasse là. This is near Beaver. And apparently a tornado has already been seen on the grounds. Is this the tornado? Sérieux? Ouais. There's already been a tornado spotted on the ground on this storm. À Balco, justement. Un collègue. Something's coming down. Tornado, maybe? Something's trying to produce something over there. Ce machin quoi. C'est pas très grand mais bon, ça a eu le temps de fondre déjà. Ouais. It's on the ground. We're gonna go ahead and say it's on the ground. If you live in Elk City or south of Elk City,
It's crossing State Highway 6 right now. Yeah, it's going to go south of you. Pas une lumière, ils ont perdu toute l'électricité. Donc on trouve pas un hôtel avec de l'électricité. Seen that, and from the air, Liana, a lot of damage and a lot of roofs either partially destroyed, completely destroyed, or some areas not touched at all. Look across the street. Hier, c'était notre première journée de réelle chasse et on était accueillis de manière assez incroyable car le Storm Prediction Center a émis une situation qu'ils appellent particularly dangerous situation. Donc en fait, c'est les statuts les plus élevés d'alerte au severe weather. Hier, c'était la journée intense au niveau de la conduite. On a quasiment fait 600 miles, je crois, en une journée. Le deuxième des deux orages qui avaient explosé a créé énormément de dégâts à Elk City, dans l'Oklahoma. On constatait les dégâts d'ailleurs aujourd'hui en passant dans la ville. Vraiment, vraiment impressionnant. C'est là qu'on se rend compte de la puissance de la mère nature. Et cet orage, ben, on était juste... juste à côté. Évidemment, pour pas se mettre en danger, on n'a pas traversé le corps de l'orage où il y avait le maximum de précipitations et la grêle. Donc, du coup, on est resté au nord, on attendait que l'orage passe. Et je pense qu'on a très bien fait parce que cet orage a justement généré la plus grosse tornade hier, qui était cachée dans la pluie. A surpris beaucoup de monde, donc malheureusement une personne est décédée lors de cet orage. La quête des tornades m'a permis de rester bien éveillé parce que le décalage horaire a fait qu'on était passablement fatigués, moi et Raphaël. Pardon. Alors, quand il n'y a pas d'orage à chasser, que font les chasseurs d'orage? Ils vont prendre des petits déjeuners pour prendre des forces. Alors Seb, montre-nous ce qu'ils t'ont apporté. Alors, un fameux milkshake américain avec une recharge en chantilly qui est presque aussi grande que le milkshake en lui-même. Comment s'annonce ton petit déjeuner? Bah, je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que rien que de regarder ce qu'il y a sur la table, ça parle tout seul. Hein. Ici, hein. Ah, c'est top. Ça fait plaisir.
comme deux aventuriers cherchant l'arche perdue là. Regarde-moi cette grotte. Indiana Jones. Qu'est-ce que tu penses de ce... C'est impressionnant. C'est beau hein. Ouais. Regardez-moi ça. Je suis content, mais je crois que je veux bien dormir. About this because we do want to highlight an area that we rarely show on the Weather Channel really is the greatest risk for multi-hazard today. Big wind, 70 plus miles per hour, hail, easily golf ball size, probably more like ping pong ball and even baseball size, and tornadoes, some of them potentially even long track. That exists in that pink area right there between the hours probably of about 2 o'clock and 7 o'clock tonight. Voilà, jour numéro 3. Et c'est, ça va être une grosse journée. Le Storm Prediction Center a augmenté le risque à un niveau 5 sur 5 sur une partie de l'Oklahoma, sur une partie de l'Oklahoma et le sud du Kansas. Le calme avant la tempête, comme on dit. Voilà, nous voici dans la zone high risk, ou en tout cas on est assez proche de la zone high risk. On s'est positionné juste au début pour essayer d'attraper les premiers nuages bourgeonnants. On voit que là on a déjà des cumulus qui sont en train de se former petit à petit. Et une fois que l'environnement est suffisamment instable, une fois qu'on a cette couche qui est pour l'instant en train de couvrir l'atmosphère pour éviter que qui empêche les nuages de monter verticalement. Là, les cumulus qu'on est en train d'observer vont exploser verticalement assez rapidement, j'imagine. Et là, on sent déjà beaucoup de vent déjà à la surface. On va observer ça pour l'instant. Il est à peu près midi. Je pense que d'ici une heure ou deux, on verra les premiers orages éclater. Il faudra être assez vigilant pour essayer d'attraper le bon orage. Voilà, notre deuxième Particularly Dangerous Situation PDS. On est juste par là, il me semble. Voilà, les orages ont commencé à exploser. Une tourelle qui explose. Là-dessus.
This is going to be an EF2, EF3 violent tornado now near Winoka. It's headed to Winoka. This is headed to Winoka. You folks up there, please go to your safe spot right now. Large tornado on the ground doing damage. This looks like to be where the rotation is. Mais faut que tu te mettes plus à droite. Winoka, you're in the line of fire. You don't have much time, Winoka. You gotta go to your safe spot, lowest level, center part of the house, or storm shelter. Oh putain, elle est au sol. Putain. Tornade en direct. Tornade. Regarde s'il te plaît. Bouquin. On va remonter un peu. Et après on va se poser sur un bon point de vue. Là où il y a les voitures là-bas. Ouais, voilà. Ensuite. Ça risque de tourner juste là. Hein. Ça augmente la rotation. Hein. Ah, c'est la base de l'orage. Putain. En train de baisser un truc là.
retour au Texas. En train de se former là. Elle est en train de se former là-bas. Tu la vois? Ça va? Ouais, ça va être une putain de super cellule. HP, wow. Tornado warning. À mon avis, il est comme ça. Donc ça, ça vient sur nous. Il faut juste faire attention. Non, c'est pour ça, on est sur la trajectoire. Donc, mais elle a l'air de... Mais elles reviennent. Attends, on laisse le passer. Mais Stacy, Texas.
Voilà, il est en train de se former. Et là-bas. Il est en train de se former. Elle est là, elle est là. Elle est là. Parfait. Parfait, arrête-toi là. Yes, parfait. Tu voulais voir une tornade? À côté de lui. Si, je te croyais, c'est pour ça que j'ai voulu bouger. Là-bas, hein. C'est une tornade qui se pose, c'est là. Ça c'est incroyable. On peut pas avoir mieux. L'aventure Twister. Texas. Pas mal, hein? C'est clair. Mais ils ont pas compris que dans 10 minutes, il y avait le déluge, quoi. Alors voici comme une journée de chasse se termine. On refait plein d'énergie. Il est quelle heure, Sam? C'est 11h. 11h, on s'est réveillé à quelle heure? C'était quoi, 8h? On est parti 7h30. Et on est parti à 9h. À 9h30, ouais. Et maintenant, il est 11h, on vient juste d'arriver, on est en train de manger. En fait, c'est simple. Tu calcules de 11h, de 9h à 11h. Du soir, on a fait 10 heures de bagnole, quoi. À rouler comme des tarés. Et on a fait 700 miles dans la journée. Hein. 700 miles, ouais. Et en tout, donc c'est quoi, c'est 1100 km? Ouais. En 4 jours, on a fait 2200 miles. C'est correct. C'est correct. Et voilà. Home Hotel au Texas, à Junction. Ouais. Juste au nord de San Antonio. On est fond du Texas au sud. On essaie de faire un petit déjeuner classique dans un restaurant typique du Texas. On peut voir derrière des gens qui ont les chapeaux de cowboy. Donc là, on peut pas faire mieux, plus authentique que ce restaurant-là, je pense.
Bon, bah après une journée un peu compliquée parce qu'on a vraiment rien attrapé en termes d'orage, on se dirige vers San Antonio au Texas. On est là, la frontière avec le Mexique est juste ici. Hey there. Hello. How's it going? We're chasing storms. Direction quoi.
Florida avec des amis. On est au Nouveau-Mexique. Calme avant la tempête comme toujours. Hein. Sur l'écran et nous on est là et concrètement si on regarde le ciel ça donne ça, la rotation c'est juste en face. I thought you guys were broke down and had a flat tire until I saw the camera. Thanks for stopping. No, no. Alrighty, well, be careful. Yeah, you too, take care. Have a good one. Bye. Bye.
Non, bah justement, faut pas s'arrêter. Non, mais sur le côté. Non, mais sur le côté, ils te voyaient pas. C'est bon, c'est une idée. Et là-bas, il y a le Mexique. Thank you.
Ça t'inspire quoi, Bastien? La peur. Ah non, Bastien n'a jamais peur. Alors, monsieur Hidalgo, comment se sent-il parmi cette belle nature? Très bien. Là, on a décidé de sortir un peu des sentiers battus. On a décidé de faire un trail de près 5 km. Donc, on n'est absolument pas équipé pour, mais c'est pas grave. On est des aventuriers, donc on va tenter l'aventure. Alors, je filme un peu. Regardez-moi ça. On va aller doucement. Hein. Ouais, ça va être cool. Il y a un peu plus d'eau. Thank you.
fini, Bastien. Au revoir, voiture. Ça nous a permis de faire quasiment 8000 km en 9 jours. Eh oui. Verse une petite larme, Bastien. Non. C'est que la fin d'un chapitre, là. On reviendra l'année prochaine. Incroyablement positif, c'était une aventure vraiment incroyable. Alors si je devais résumer mon aventure en une seule phrase, je dirais c'était à la fois une grande diversité et une grande richesse émotionnelle à tout point de vue. On a eu quasiment les 5 niveaux de risque. Je dirais la fois où on a vu la tornade en fait. Donc ça c'était vraiment... impressionnant. Et cette tornade qui, sur le moment, était évaluée EF2, EF3. Le jour où on était dans le champ de blé, avec la supercellule au loin, et le mésocyclone qui se rabaissait, on a eu l'impression que le temps s'était arrêté pendant quelques secondes. On se sentait vraiment, vraiment au top, quoi. On a essayé de bien équilibrer l'envie de voir des configurations orageuses intéressantes, mais sans se mettre en danger. Chaque jour est différent et chaque jour amène son florilège d'émotions. Et on a aussi eu la chance d'avoir deux conditions de ce qu'ils appellent « particularly dangerous situation » PDS, qui sont assez rares. C'est pas tous les jours qu'ils ont ce genre de situation, et en l'espace de 3 jours on en a eu 2, donc ça met tout de suite dans le bain, parce que là ça signifie des niveaux de danger particulièrement élevés. Le moment où j'ai eu le plus peur, c'est quand j'ai pris l'avion. C'est des levées très tôt le matin, c'est des analyses de données la veille pour le jour suivant, des positionnements la veille pour le jour suivant, et toute la journée, c'est des centaines et des centaines de kilomètres qui sont parcourus. Donc en effet, les orages sont vraiment un fil rouge de ce genre de voyage. Mais pour faire ce genre de voyage, il faut vraiment être un passionné non seulement des phénomènes météorologiques violents, mais aussi de la région en elle-même, du Midwest, des gens, de sa culture, de sa géographie. Magique, émotion, grandiose, passion, poétique, aventure. On vous donne rendez-vous en 2018 pour la saison 4 de Destination Tornado Alley. Wouh ! Ciao.